mettre sur pied et me créer dans un état de droit. On doit mettre sur pied et me créer dans un état de droit et une justice indépendante. Ce n'est pas pour rien qu'on fait des conflits. Il y a vu, bon, il y a un peu de au sein d'un Oyuno, au Zamana Maïnanga, c'est vrai, au Tangakanayo, du ventre. Salut et bienvenue sur Club Original. Merci de votre fidélité. 5 minutes avec César Ngadi. Tout le monde est d'accord et il en restera ainsi pendant très très longtemps. 5 minutes à Lilo, Bomoni, Ezali, version à la musique à Ndenge Bozali Komona. 5 minutes à Lilo, Ndenge Naepsegi Bino, na émission nanga précédente. Il faut tous à la manière solide. Pas si haut le président de la République à Yoki, à risquer Vinaye. Azali ko sala nyoso tout po abongisa mboka na 2023 akoki ko tikela ngo mutute akoki ko tikela ngo mutute surtout ba inconscient o ba bebisaki mboka pendant 18 ans bazonga lisusu wana biso tokosepela nango tepe tokotikela bango tenté. C'est la raison pour laquelle na lobaki na émission na biso précédente que on est prêt donc ba fatiste ba toi idepes biso tout ozala liboke po na ko combattre batu oyo ba moneli pas cité parce que boye ba ke Félix Antoine Tshisekedi azwa ki mboka na ba niveau moko ya malamu te azo sala tout bozo mona parce que ba fakwa ba ko ikolinga jamais ke Félix Antoine Tshisekedi a reçu nesika bango ba joie qui l'aurait cru que Félix Antoine Tshisekedi a reçu parlement a reçu sénat a reçu cour constitutionnelle de rafraîchir bino mémoire parce que le lot tozo bete la bino ba masolo tozo laksa ba œuvre nous surtout Félix Antoine Tshisekedi azwa parce que boye bitan Félix Antoine Tshisekedi azwa ki pouvoir azakout na vionté kanambe muto azu avion akenango Chine donc azakout ne sika ko lala te donc nous surtout le lot koma masolo tozali ko laksa bino botala ndengi Fati Béton a bakaki parlement a bakaki sénat a bakaki cour constitutionnelle nana ndima penza ke Mabunda à Kolongwa. Donc, bino moko, bolanda na bilili, bomona, nengi mbonge balukaki, et puis, ezalika ako continue toko tika jamais 2023 na batu oyo, bayokoli yango pas cité. Restez connectés sur Club Original, on revient tout de suite. Oui! 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 Non. Oui, silence.
vous plaît. Oui. Non. Non. Oui. Oui. Non. Oui. Non. Oui. 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 Non. 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 Oui. Oui. Non. Non. Continuez, collègue. Non. Oui. Non. 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 Oui. Oui. Non. La mention urgent estampillée sur la farde chemise portée en bandoulière par le Premier ministre Ilunga Ilunkamba était prémonitoire d'une grande décision. Le chef du gouvernement des coalitions a présenté ce vendredi sa démission auprès du chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, qu'il avait nommé en mai 2019. Déchargé de toute responsabilité, Sylvestre Ilunga Ilunkamba est sorti le main vide du bureau du président de la République et a fait lui-même l'annonce de sa démission. Vous connaissez comment a évolué la situation politique dans ce pays. Je ne vais pas épiloguer là-dessus. J'ai tiré, en fin de compte, les conclusions de cette situation et je viens, en toute responsabilité et conformément à la Constitution, de déposer la démission du gouvernement de la République. J'ai remercié le président de la République au nom de mon gouvernement. Je l'ai remercié de la confiance qu'il nous a témoignée dans le cadre de l'accord de coalition qui a permis à notre pays de connaître la première expérience de passation pacifique du pouvoir. En ce qui me concerne personnellement, j'ai remercié le président de la République de la confiance et de la cordialité de relations que nous avons entretenues durant les 15 mois que je suis à la tête du gouvernement. Même si on le savait déjà déchu par l'Assemblée nationale, le dépôt de sa démission auprès du chef de l'État tourne la dernière page de la coalition FCC-CACH. Les successeurs de Sylvestre Ilunga Ilunkamba sera connu dans les prochains jours. L'article 22 du règlement intérieur du Sénat que le président du bureau sortant, l'honorable Alexis Thambo Mwamba, a procédé ce mardi 9 février à la remise et reprise avec le président du bureau d'âge, l'honorable Léon Mamboléo. Au cours de cette passation des pouvoirs, le président sortant a remis à son successeur tous les symboles du pouvoir et les différents documents de travail. Certains devoirs républicains et les devoirs républicains sont sacrés. C'est un peuple de nos attributs, une écharpe de l'exercice du ministre. C'était qui était dans l'ancienne série. Et ça, pour la discipline, dans la salle, je vous remets toutes les annexes ainsi que le sceau. Et toutes ces annexes sont à votre disposition. Bonne chance, Président. Le doyen d'âge, l'honorable Léon Mamboléo, a remercié son prédécesseur pour son bravoure, sa dynamique et son expérience dans la direction des séances plénières et surtout d'avoir assisté personnellement à cette manifestation. Juste après la remise reprise, l'actuel président du Sénat, l'honorable Mamboléo, a pris possession de son bureau de travail. Cette cérémonie s'est déroulée en présence des membres du bureau sortant et des déshonorables sénateurs les moins âgés,
de Monsieur le secrétaire général du Sénat et conseiller les coordonnateurs du bureau d'études du Sénat. Bidomo Robolandi, nani yango andima kike tambo e mwamba akolongwa na Sena. Nana andima kike mabunda kolongwa Sena. Nana andima kike premier ministre oyo papa na biso ilukamba akolongwa. Ye mutabande iko pikle. Bomoni ndenge masole baluka ki. Batu. Bamona ki yango neti liseki. Yango nana zali ko signaler na batu nyo soto. Oyo bakotia libaya na 2023 batia na bangote parce que Moutou a gagné Félix Antoine Tshisekedi Azalite. N'a répété en gros sous tout. Balingi batia libaya, batia na bango parce que Félix Antoine Tshisekedi a mis démocratie. Mais boye bake, boko zwa kate Félix Antoine Tshisekedi a gagné bino penza parce que peuple a reponaye parce que pouvoir na ye zali ya peuple. Azali na mission moko divine. Nzambe ndenga pesye mission. Donc a gotikaye a kene nango. Nasuka. Donc avant qu'on y ait ma solo nabiso, tous allez marquer pause publicitaire, boyebi que tous allez na J-3, ce qui J-2, donc le 30 juin, boyebi kake, concert Moussousou, Ezalite, concert Ezalika Moko, événement na Congo, Ezalika ka Moko, donc musicalement, concert, il y a réunification, il y a Wenge, donc organisé par le grand producteur mécène Oyo, donc il y a Kosakanate, Amadou Diaby, au tous allez qu'au Pesayembote, na équipe il y a communication ils allaient dirigée par Popol Mukelenge donc to yo qui sabino moko botala événement oyo salama oyo kozala suivi na planète Mobimba parce que bon mon ami déjà na like sabino lobi ma américain ba yaki na ba matos na bango pour jour wana et kozala lisegite me boye ba déjà que 40% ya recette et ko kende na far d'essai parce que ba tout mususu oyo bandoki bazomo na kaka bilobela mais boye ba ke concert wana et ko aider far d'essai yango wana jamais et ko reki ko sala annuler donc restez connectés sur Club Original, on revient tout de suite. Mansa Musique et Primus présente le concert de l'histoire, le show de la réunification. Wenge Musica 4x4 BCBG, 25 ans après, ils seront tous là. Le 30 juin 2022 au stade des Martyrs à Kinshasa, venez vivre le show de l'année avec les anges adorables. Wenge Musica 4x4 BCBG, y'a Biso Wenge. Prix 5000 francs congolais. Ouverture des portes à 10h. Infoline 09 00 11 51 16. Une production Mansa Musique. Jusque-là, 4 conteneurs, il y a 2 qui arrivent encore. Le matos. 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 Matos.
encore le matos. Juin, tous en un concert réconciliation. Le Wenge Musica, na stade de Martyr le 30 juin. Les élèves m'ont malamou. Amadou Diaby, merci. Les élèves m'ont très bien. Tous à la cour dans le stade de Martyr. Vous permettez de Koutana. Tout y a pas panneau na biso, tout va m'en photo le va payer quand même. Ils ont très bien. Amadou Diaby, bravo. Et le Wenge ensemble, bravo à vous. Alors biso en à Paris, tous et pas maman où il va. Na likemba na ya kala wana boya wana et pas mama uva moi likemba na yo moi kwanga na yo y a pas de droit d'entrée boya wana total concert Wenge Musica à partir de 17h-18h chers amis bato balinga Wenge biso bata Wenge ngana Rosala grand prêtre César nga di Kleboa Rosala et d'une image à Rosanga te na emo de vos musuba biso to Rosala wana quoi. Vraiment beau ça là et ça l'a bien. Tout le monde a concert à Wenge Musica Wana. Ou alinga Wenge Aya ou yokta la concert. Tout le monde a mis ça là na Ebi. Et puis, biso bato to linga Wenge tout le temps découvrir Wenge. Kosa ngate, nous sommes en train d'écrire l'histoire. Ne rate pas cette occasion. César Anga du grand prêtre. Amadou Diaby, merci pour tout. Tout le monde a. Mansa Musique et Primus présentent le concert de l'histoire, le show de la réunification. Wenge Musica 4x4 BCBG, 25 ans après, ils seront tous là. Le 30 juin 2022 au stade des Martyrs à Kinshasa, venez vivre le show de l'année. Avec les anges adorables. Wenge Musica 4x4 BCBG. Ya Bisso Wenge. Prix 5000 francs congolais. Ouverture des portes à 10h. Infoline 09 00 11 51 16. Une production Mansa Musique. Donc concert du siècle, concert Oyona ne salama na Congoté, donc beaucoup mona biloko yo, beaucoup mona podium mona mona te, donc ezali makamba ko sakana te, na répété le sous concert on a 40% ya recette nango et ko kende pas na far d'essai. Ya ngono Monique ba musicien ba zali vraiment na sima far d'essai. Musicien musala na musique contribution ezali musique donc ba longoli recette ba pesikuna o ya zotia tembeyo ba kata yo salaire pe tinda na far d'essai total à ceux qui au rosala neti ba musicien ba kosala donc si ko tozo continuer pour toi sabino tozo répéter le sous que na 2023 bozala na bino tranquille mais il faut tozala éveiller parce que ndé na ba ikaka ke tozala donc
na zone moko ya turbulence et ko ya ba makambo ko ya ya bandoki mais et ko simba kaka te donc il faut to fongola misu to za la soude pour to combattre batu oyo ba ko ya na mitema mabe parce que masolo oyo Félix Antoine Tshisekedi sali a risque même vie na ye donc azali ko bongisa ba masolo nyo surtout et ko bonga malembe malembe ye muto aloni masangu ye mutu akolia pe masangu idepes mutu akolia masangu tonigito rafraîchir bino mémoire to la like, sabino ba réalisation kaka oyo Félix Antoine Tshisekedi asali na 3 ans oyo mais boye bali déjà que eloka makase zalaki na 3 ans oyo il fallait Félix Antoine Tshisekedi abo mama solo ya kanambe ouais check parce que kanambe ndenga kenda ki abulaki ki akozonga abulaki ki akozonga parce que le soko zobete le masolo akondima ko tuté mais tozo rafraîchir bino mémoire déjà avant la bande bota déjà que gratuité, il y a enseignement de base. Éducation nationale, pour que l'éducation est la base. Moutou avant, aïe, baba masolo, il faut akota na kelasi. Donc, kelasi yofele, et l'égide déjà, baba makambounio, surtout, il y a un moutou, et marka ki penza, et marka penza, masolo, oyo, il y a mandat, il y a Félix Antoine Tshisekedi. Donc, tous les gens, tous les gens, par exemple, moko moko, botel makambo, oyo, Félix Antoine Tshisekedi, sali, na mandat, na oyo, oyo, na 18 ans. Donc restez connectés sur Club Bois Original, on revient tout de suite. Le Gulf Stream 4 battant pavillon congolais est de retour sur ses terres congolaises après près de 6 ans d'immobilisation forcée en Espagne. L'affaire remonte à 2016. Les gouvernements de l'époque, principal utilisateur de cet aéronef présidentiel, envoie pour entretien l'avion à Madrid dans un centre de maintenance agréé de l'OACI. Très sollicité et non entretenu, l'avion avait manqué plusieurs crashs au pays. Depuis 2016, l'État propriétaire n'a rien fait pour honorer les factures d'entretien. Bien au contraire, les charges financières se sont accumulées, jetant un discrédit sur la République démocratique du Congo. L'affaire avait fait grand bruit dans l'espace aérien européen et des mesures fortes étaient même envisagées contre la RDC. Sur instruction du président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, les directeurs de cabinet Guylain Nyembo avaient mis en place un groupe de travail autour des services logistiques présidentiels pour suivre de près ces dossiers et ramener au pays ce bien de l'État sabordé. Remis à neuf par les fabricants avec deux nouveaux réacteurs Rolls-Royce, les Gulfstream de 14 places extensibles ont atterri à l'aéroport de Ndjili sous le regard admirateur du directeur des cabinets, visiblement soulagé d'avoir à la fois récupéré ses patrimoines de l'État et redoré l'honneur du pays. C'est une joie, c'est une fierté pour un pays. Je pense que ça, c'est un travail que j'appellerais un travail de cohérence. Vous savez, le chef de l'État est en train de remettre notre image partout dans le monde à niveau. Et je pense qu'il était de notre devoir, pour ce qui nous concernait, à partir du moment où nous savions que nous avions un dossier à gérer dans ce cadre-là, il était, comme j'ai dit, de notre devoir de faire en sorte que les paroles puissent être matérialisées par des actes. Et ça, c'est un acte qui correspond à cette image-là que nous voulons pour l'extérieur à l'extérieur de notre pays. Un avion retenu à l'étranger, je pense que ça ne fait pas très joli. Donc il était vraiment important pour nous que nous puissions faire tout de notre possible pour que cet avion puisse revenir ici. Ce jet privé fait partie des 3000 prototypes produits par Gulfstream à travers le monde et à ces jours, aucun d'eux n'a jamais connu de crash. Il vient renforcer la flotte aérienne de l'État congolais pour l'itinérance en province et partout où le devoir d'État l'exige. L'effectif s'est accru après la réception ce dimanche 28 février 2021 au port de Boma dans le Congo central du quatrième et dernier lot de 110 bus de marque Volvo en faveur de la société de transport du Congo Transco. Un lot qui s'ajoute à ceux de 330 déjà mis en circulation à Kinshasa deux semaines plus tôt par le président de la République Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo lors d'une cérémonie officielle de remise de bus à la population, ramenant ainsi à 440 le nombre des bus tels que commandés par le gouvernement de la République.
Ce dernier lot a été réceptionné à Boma par l'envoyé spécial du chef de l'État Massamba Kinwani en présence des délégués du ministère des Transports et de Voies de Communication, du directeur général de Transco, de Madame le maire de la ville de Boma et de nombreux partenaires du gouvernement dans le secteur du transport. L'événement du jour a débuté par une séance de travail au cours de laquelle le procès verbal de réception des bus a été lu et signé par les membres de la commission ad hoc. La commission réceptionne les 10 lots sous réserve que des constats techniques, panne éventuelle et défauts de fabrication pourraient être constatés par Transco soit à charge du titulaire du marché. La procédure de mise en route des autobus se fera dans les installations de Transco à Kinshasa en fait de vérifier la conformité de la commande aux spécifications techniques contractuelles pour l'entrée en force de la garantie commerciale. Au nom du chef de l'État, l'envoyé spécial Massamba Kinwani s'est dit honoré de recevoir ce nouveau lot de bus. Nous avons l'honneur de réceptionner ce dimanche 28 février 2021 les 110 bus restants sur la totalité des 440 nouveaux bus commandés. Tout ceci entre dans la vision démontrée du président de la République, chef de l'État, je cite, « le peuple d'abord ». Nous exhortons le personnel de la Transco ainsi que la population de faire usage de ces bus avec un sens des responsabilités citoyennes. Appelée à en faire bon usage, la société Transco peut se réjouir de voir ses activités relancées en assurant la fluidité de la circulation de la population. Nous sommes à Kanyamakasese, province du Haut-Lomami. Ce centre pilote du service national, situé à plus de 900 km de Lubumbashi, est réputé pour la culture de maïs. Il a fallu plus de 3 mois d'activité avec ses tracteurs de dernière génération, soit d'octobre à décembre 2020, pour apprêter les sols à recevoir la semence de maïs. Labour, semis et aujourd'hui, les plantes ont atteint leur maturité. Aux commandes, le général de brigade, Jean-Pierre Kasongo-Kabouik, commandant du service national, qui s'assure de tous les moindres détails. La moisson a blanchi. La récolte se profile à l'horizon. Des dizaines de milliers d'hectares ont été cultivés ici à Kanyamakasese. C'est de vastes étendues de champs à perte de vue qui attendent livrer leurs secrets. D'ici février 2021, sentiment de satisfaction du général de brigade et commandant du service national, Jean-Pierre Kasongo, qui rêve grand pour le service national. Lors de la 42e réunion du Conseil des ministres, présidé par le commandant suprême, chef de l'État, les instructions claires ont été données au commandant du service national de redynamiser le service national sur l'ensemble du territoire. Kanyamakasese, ce n'est qu'un des sites du service national. Et donc en dehors de Kanyamakasese, nous avons un centre à 30-40 km de Likasi, et le centre de Mulungwishi qui est un nouveau centre, mais qui est très dynamique. Nous avons le centre de production de l'OVO dans le Bas-Congo à 210 km de la ville de Kinshasa, un nouveau centre. C'est des résultats fabuleux. Nous avons plusieurs autres centres dans le Kasaï, à l'Équateur, partout. On ne va pas faire le maïs à l'Équateur. À l'Équateur, nous allons privilégier beaucoup plus, par exemple, le riz. Nous avons un centre en Koundi dans le Bas-Congo, dans le Congo central. Nous allons développer la filière riz. Donc, tu vois, chaque province a une particularité ou une spécialité. Kanyamakasese recèle un potentiel inestimable avec ses 64 000 hectares de terres arables. Juste un peu de moyens, la RDC peut sortir de l'insuffisance alimentaire et rien à envier à d'autres pays qui ont fait des merveilles dans ce domaine. Plusieurs provinces de la République, notamment celles du Grand Kasaï, du Haut-Lomami et du Haut-Katanga, attendent d'être approvisionnées en maïs, comme ce fut le cas pour la saison culturelle 2019-2020. Du programme Transacadémia est plus qu'imminent. Le ministre des Transports a visité le premier lot des 100 bus disponibilisés par le ministère en faveur des étudiants selon les instructions du président de la République Félix Tshisekedi.
Chérubin Okende a palpé du doigt les réalités des travaux de décoration des bus déjà réalisés à 70%. Assurer en toute sécurité le transport des prisonniers d'un tribunal à un site carcéral ou d'un site carcéral à un autre. C'est le sens de ce don du chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo en faveur de l'administration pénitentiaire, geste qui fait suite à sa promesse, celle d'humaniser les conditions carcérales des détenus. La cérémonie de remise de ce fourgon cellulaire a eu lieu au Palais de la Nation entre d'une part le directeur de cabinet adjoint du chef de l'État en charge des questions politiques, juridiques et diplomatiques, Madame Nicole Toumba Boatia, représentée ici par les assistants coordonnateurs membres de son cabinet, et de l'autre par la ministre de la Justice et garde des Sceaux, représentée elle par le secrétaire général à la Justice. Derrière ce précieux don du président de la République, l'idée est d'améliorer les conditions de transfert des prisonniers, mais aussi réduire le risque d'évasion des prévenus pendant leur déplacement. C'est pour la première fois que nous recevons un tel véhicule qui réunit toutes les conditions humanitaires, si vous voulez. Donc nous n'avons qu'un seul mot, le remerciement à l'égard de Son Excellence, Monsieur le Président de la République, pour l'acte qu'il vient de poser. C'est un pas de franchi et que c'est quelque chose d'original qu'on n'a jamais vécu dans ce pays. C'est ça qui est plus symbolique. Mais il faut dire que c'est un premier pas. D'autres réalisations seront tenues comme M. le Président de la République a toujours l'habitude de le faire. Ce fourgon cellulaire de marque MAN Bus, dont du chef de l'État, est équipé d'une caméra de surveillance et de petites cellules aménagées afin de séparer les prévenus en groupes de 2 à 4. C'est ça les nouveaux trains Béton. Fatih Béton. Voilà plus de 4 décennies que le pavillon frappé aux couleurs nationales n'a plus été arboré à la poupe d'une drague sur le fleuve Congo. 41 ans après, la Congolaise de voie maritime voit ses activités relancées grâce à l'acquisition d'une drague moderne. Tourne ainsi la page sombre et des vieux mauvais souvenirs que cette entreprise publique a connus pour le balisage et l'entretien du bief maritime du fleuve Congo. Acquis l'an dernier sous l'impulsion du président de la République Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, c'est ce mardi à Boma, dans le Congo central, que le gouverneur de la province et l'envoyé spécial du chef de l'État ont présidé la cérémonie du lancement des activités de ces navires. Prenant la parole en premier, la directrice générale de la CVM, congolaise de voie maritime Christine Toussé, a exprimé sa gratitude au chef de l'État pour son engagement dans la redynamisation des activités des entreprises du portefeuille de l'État. C'est un début de solution, a-t-elle affirmé. Honoré également par cette acquisition, le gouverneur du Congo central, tout en remerciant le chef de l'État, a précisé qu'il s'agit ici d'une fierté nationale. Il faut que ce bief maritime soit entretenu. Il faut que les navires qui quittent l'océan puissent atteindre Boma Matadi. Voilà le rôle ô combien important que joue la CVM dans l'économie de notre pays. Il va falloir que tous les Congolais et toutes les Congolaises connaissent le rôle, l'importance de cette compagnie qu'on appelle CVM. Ce n'est pas seulement pour le Congo central, mais c'est pour toute la République. C'est, je dis bien, pour toute la République. Pour l'envoyé spécial du président de la République, c'est un grand jour pour la nation. Massamba Kinoani a, par la même occasion, eu la primeur de dévoiler le nom de cette drague. Jour après jour, les rêves des Congolais et des Congolaises deviennent réalité grâce à la vision du chef de l'État qui se démontre dans les différents domaines politiques et socio-économiques de la vie de notre population. Quoi de plus normal que cette drague ait été baptisée du nom de Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo.
C'est donc au nom du président de la République, chef de l'État, son Excellence Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, en ma qualité d'envoyé spécial, que je lance en ces jours les activités de la drague. Baptisé du nom de Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, ce navire a eu les bénédictions des autorités traditionnelles. D'une capacité de 4000 mètres cubes, cet engin permettra d'augmenter considérablement les activités de la Congolaise de voie maritime, notamment dans le balisage et l'entretien du bief maritime du fleuve Congo. Voilà qui explique l'euphorie des agents de la CVM et des baumatraciennes et baumatraciens venus nombreux assister à cet événement. À partir du 6 mai 2021, la colline inspirée le deviendra encore davantage avec la disponibilité de l'Internet pour tous. Le projet RAM à l'Université de Kinshasa, c'est une réalité. Une délégation du ministère de Postes, Téléphones et Nouvelles Technologies de l'Information et de la Communication, de l'Autorité de Régulation de Postes et Télécommunications ARPTC et l'ambassadeur du projet RAM a visité les travaux d'implantation de Hopot Internet sur les campus universitaires de Kinshasa, lesquels au POT permettront la disponibilité d'une connexion gratuite à Internet pour tous. L'ARPTC et le ministère des Pays-Baltiques qui se sont liés ensemble pour justement favoriser ce projet RAM en mis les moyens et sur terrain, c'est une satisfaction parce que l'université de Kinshasa, l'UNIKIN, ici ce 9, pourra avoir l'accès gratuit à Internet. Et nous sommes sur une base de plus de 15 000 étudiants qui seront bénéficiaires justement. Et le projet va s'étendre sur toute l'étendue de la République, c'est-à-dire toutes les universités à travers la République démocratique du Congo seront connectées et seront bénéficiaires d'Internet. Ces travaux se feront sur plusieurs autres sites universitaires comme l'Institut supérieur des techniques appliquées ISTA en sigle. Une connexion fiable est la garantie de la recherche au 21e siècle et l'ouverture sur le monde scientifique à l'international. Moi je suis Camerounais. Moi en tant que Camerounais, je demande au peuple congolais. On vous donne M. Paul Biya, le président de l'Assemblée nationale du Cameroun, le président du Sénat, toute l'Assemblée nationale du Cameroun, tout le Sénat du Cameroun, tout le gouvernement du Cameroun, vous nous donnez seulement une seule personne. Félix Tshisekedi au Cameroun, ce n'est que tout ce que... Non, c'est que ça va changer. Là, notre pays, on sait que ça va changer. Ça va, les choses vont changer dans notre pays. Okay, on aura la liberté d'expression, le droit de l'homme en espérant qu'on aura niveau, tout cela. C'est le nouveau leader africain. Actuellement, en Afrique, nous sommes africain. Fiers qu'en République démocratique du Congo, non, il y a un leader. On sait qu'il va apporter à ce pays, qui va porter toute l'Afrique centrale dans le dos. Moi, en tant que jeune Camerounais, jeune Africain, je suis tellement fier. On sait qu'il va apporter au Congolais. Changement est arrivé en Afrique centrale. C'est important de le savoir. En c'est la lumière qui s'est mise sur le Congo. Nous avons ça. Aussi besoin de cela, de notre donc côté. Veut ça. Merci. Oui, et nous partageons avec beaucoup de remords. Et envoyer ses œufs dans tout le pays. Oui, c'est ça, parce que vous parlez souvent de, toujours de marché de Kinshasa, mais l'importation aussi. Vous ne pensez pas exporter le œuf produit d'Aipen? Alors, bien évidemment, l'objectif est d'avoir une telle production qu'on pourrait exporter les produits d'Aipen, exporter les produits et le savoir-faire congolais à l'extérieur, en Afrique. Et bien évidemment, nous travaillons pour cela. Sachez également que le d'Aipen est sur Kinshasa, mais pas seulement. Nous avons également d'autres fermes d'Aipen que le LR Group, la société qui réhabilite le d'Aipen, va bientôt prendre en charge. Il s'agit de fermes au Katanga et au Kasaï oriental. Ah oui, ah, donc il y a extension des Daipan. Hein. Donc encore. Domaine agro-industriel, présidentiel, délancelé, mais qui sera implanté. Tout à fait. Alors qui est déjà implanté en fait, hein, qui a déjà été implanté. Et nous, on veut le réhabiliter pour le mettre aux normes et pour pouvoir vraiment avoir des fermes de dernière technologie pour pouvoir vraiment arriver à faire des produits et des installations pareilles. Le grand intérêt vraiment hein, de ces œufs, vous savez, un œuf, plus on tarde à le consommer et plus il perd toutes ses qualités nutritives. Aujourd'hui, on consomme près de 30 000, on produit près de 30 000 œufs à Kinshasa, très prochainement près de 90 000 œufs. Tout cela, c'est pour
les marchés du Congo et c'est permettre... Je vous fais le serment que d'ici la fin de mon mandat, vous allez voir un Congo nouveau, un Congo fort, un Congo puissant et prospère. Binomo Bolandi ba œuvre au Félix Antoine Tshisekedi ya sali po batumususu bazali ko loba ke loko mure salamité ndepe na epsa bino ba congolais belé bazali amnésique musu ba sala nanko mais binomoko bomoni et puis boye ba ke le soki président de la République a posé première pierre ya loko mure ko sala 3 ans botu na bisoté dans un an oh c'est que s'il est s'il non et puis boye ba ke président de la République ndenga loba ki ba première pierre nyo soto a ko posé na mandat na ye. Le projet Moko et Gozala inachevé zate. Ce qui a posé première pierre, boye baki eko koma na suka. Yazali mutute kaya kasali loko po et simbate ou bien et sukate. Biloko nyo soto présent posé première pierre. Boko mona yango pe eko salama. Donc keto marqué pause publicitaire nabiso yaba partenaire nabiso bino nyo sou boye bikodia simo. Sepela TV. Fret Wami Service, salon de coiffure Albinto Coiffure, na Kitenge Appartement, boyebi ke solution yabanda ku awa nakati à Paris, ezali na Kitenge Appartement. Donc restez connectés sur Clébois Original, on revient tout de suite. Kodia Simo vous propose un crédit immobilier. Vous êtes du Congo ou de sa diaspora? Vous désirez devenir propriétaire en RDC et faire construire votre maison en toute quiétude? Obtenez votre crédit, puis commencez son remboursement uniquement dès la livraison de votre maison. À la Cité Kimia, nos maisons seront toutes construites aux normes internationales. Située à seulement 25 minutes de l'aéroport de Njili, 10 minutes de Safari Beach, au cœur de cette cité moderne, vous y trouverez aussi un centre commercial avec plusieurs commerces de proximité. Nos bureaux sont situés au 173 avenue Mutombo Kachi, dans la commune de La Gombe. Référence rond-point Forescom, venez dès à présent réserver votre lot dans ce nouveau havre de paix, à Maluku, ce nouvel Eldorado au Congo. Kodia Simo, la meilleure adresse pour construire la vôtre. Sepela TV ezali décodeur ya bana mboka. Sepela TV différence nango ezali na ba décodeur mususu oto zalaka nango na kati ya ndaku. Sepela TV botala ngweza ka mukie. Eza mukie olingi ko voyager ozu yango o voyager nango. Parce que ba décodeur obiso tozalaka nango et vandika na ndako mais Sepela TV DG Zamukie botala ozu o koltsi yango na poche et na kosi na poche ya veste o voyager o memi yango partout dans le monde ici kazo kende. Donc ozaka na besoin ya câble HDMI courant na internet. Internet est comme partout, courant zalaka partout. Donc ils ont plus de 500 chaînes yo surtout ya kitoko. Bilengi ba choix ya congolais congolais kaka muta oyebango donc congolais kaka muta yebango congolais kaka muta oyeba elengi nini yo yo kaka donc congolais kaka muta yebango donc c'est Sepela TV za ya bana mboka bozwa abonnement nango okozwa ngo ya ne mobimba okokozwa ngo pe par mois obengi bango na ba numéro na bango bozali komona donc Sepela TV ezali décodeur ya yo ya ngai donc ezali ya étranger te ezali ya bana mboka avec Sepela TV. Tout le monde est d'accord et il en restera ainsi pendant très très longtemps. Bienvenue dans le monde de Sepela TV. Sepela TV est le décodeur qui vous permet de suivre les chaînes du Congo en direct de la diaspora. Neko ya Congo, tuna ngai nini agence Wami Service. Oyo ya madame Mireille Wakanke azawana mobimba. Bona bino ba diaspora, bolingi, kotinda, mituka, toba koli ya nenge na nenge, ko esite na yote, adresse, ezase moko, 5, boulevard Ornano, numéro 75-018, na Paris 16e, awa, na République démocratique du Congo, na ville province Kinshasa, boko zoyango, na Veni Maringa, numéro 83, référence, étoile bleue, na commune ya Kasavubu, soit, bo contacte la ba numéro Oyo. Maman Mireille Wakanke, tata pambola yo na yaka pamba pamba te soko moni na ye kombo na yo na témoignage na yo eke musika pe betinga na motema na mona ba agence na sina moyi oyo lukute za makasi na ba agence na escroquerie okomona mosali nzambe asali pe publicité ba kubazo tala me
agence Nabango vérité exacte. Namoni mituka, namoni bilamba, namoni bakoli nyonso batu batindaki, nenge bayebi saki na yako kontroler, na kontroler, namoni musala oyo sala, wami service, libote na nzambe, bisita eko tinda biloko, eza na wami service. Oui! Yaboye, ezalate, ndeko, ko sazardete, agence, ezaka kamoko, wami service, ya madame Mireille Wakanke, a tiré la disposition, ya ba diaspora nyoso, pour que, boko misakaba kolina bino, mituka, na bandeko, o bazan Afrique, avec impact na idéologie. Eh, wami service, pardon, maman Mireille Wakanke, balinga pe ba congolais bouete. Ya mon bobé. Wami service c'est pas Mireille Wankaki. Wami service frappe na le, frappe na retour. Eyo kanie. Mansa Musique et Primus présentent le concert de l'histoire, le show de la réunification. Wenge Musica 4x4 BCBG, 25 ans après, ils seront tous là. Le 30 juin 2022 au stade des Martyrs à Kinshasa, venez vivre le show de l'année. Avec les anges adorables. Wenge Musica 4x4 BCBG. Ya Biso Wenge. Prix 5000 francs congolais. Ouverture des portes à 10h. Infoline 09 00 11 51 16. Une production Mansa Musique. Merci na ba partenaire na biso Bolandi Binomoko, donc vraiment bango bazali banamboka biloko nyoso tout olingaka awa to lakisa gezali ya banamboka parce que photo comme na esprit ba chinois donc chinois azalaka donc nde konesora ye a repesa mukanda a repesa ye mbongo tango ye pa comme na mbongo azongisi biso avec président de la république biso la beki donc congolais nyoso tu fa comme millionnaire yango e bozali komona donc vraiment merci Nabino Nyo surtout au Bozali Kolanda, ma partenaire Nabiso, parce que le message est Zali Koleka. Donc vraiment, merci, il y a trop, merci, il y a trop. Donc si vous avez un peu de temps, vous avez un peu de temps. Vous avez 2023, vous avez le droit de faire Nabino candidature. Parce que ce que vous avez dit, il y a Noël Djani Bongolo, qui a Félix Antoine Tshisekedi Fatshi Béton, a commis je n'ai pas tout le monde dans la course. Bino n'y a pas tout le monde dans la course. Il n'y a pas tout le monde dans la course. Mais il y a pas tout le monde dans la course. Parce que en 2023, il y a gagné Félix Antoine Tshisekedi Azalité. Azalité. Mais tout ce qui est vigilant, il y a pas tout le monde dans la course. Il y a pas tout le monde dans la course. Il y a pas tout le monde dans la course. Il y a pas tout le monde dans la il y a pas tout 2023. Tout le monde mais tout le confiant. Tout le sûr dans la course. 2023, Ezali, il y a Félix Antoine Tshisekedi. Donc, le lot vraiment, Ezali, il y a Masolo et Belete. Mais avant, tout ce qui ça, tout ce qui est Sabino, il y a un député national en France, tout ce qui est Sabino, il y a un député ivoirien, il y a un député de Mouassi. Il y a un député de Mouassi, il y a un député de Bilongo, Azali, Nakati, il y a un parlement de France. Donc, Azali, ko siège kuna donc yeba ke sope ba lobeli makambu ya mboka na biso a rozalana pe po acha mungu na pilipili tozali ko lek sabino asalaki donc sorti moko akendaki ko encourager équipe ya football ya kota 95 ko kutana bango parce que ya zalai déjà na ko sala na ba association zalai na vie associative donc tozali ko lek sabino ndenga bimaki akene kota la match ya football donc à féliciter Baron Pascal Zali déjà Moutabato. Donc, bon, il y a image, il y a honorable, il y a solo député national de France, M. Bilongo.
Landa, donc félicitations. Et aussi, c'est un gros mot qui est dans le cas. Donc, il y a un petit peu dans le cas de donc, vous voyez, pour mon cas, Bendele ya Congo et quoi ya kate, Bendele RDC et quoi quoi ya te. Donc, le lot avant tout, ça a été fait sous CT. Donc, 2023, Boye Bake présent Félix Antoine Tshisekedi de Akoti qui l'a moutouté. Parce qu'il faut que nous na idolone Tina Souka Babiloko toi Salaki, il faut comme Tina Souka parce que ceux qui bando qui bakoti, makamounio surtout Félix Antoine Tshisekedi de Aloni, bako bébé sa yango. Donc, to sengi nabino, on n'y a pas de bâle. Tiens, je suis là, mais je suis là que 2023, Félix Antoine Tshisekedi, il y a un peu de temps, surtout, il y a donc Fati Béton, donc à côté, Kalaka présent, donc Batumoussou, Boboulé, Nabino, Naba 2028, Naba 2033, mais 2023, il y a Félix Antoine Tshisekedi. Donc, Tokomi, Nasuka, il y a une mission, Nabiso, Ndegnaïb, Sarabino, Karaké. Je vous laisse le soin d'en tirer vos conclusions et de me faire parvenir vos commentaires, comme d'ailleurs, vous en avez l'habitude. Donc, si on a comme Nasuka, Boubika, base, Narotika, Yangote, Tobanda, comme vous pouvez vous en douter, na Londres, na honorable Jean Moutala, honorable Jean Moutala, merci na nyoso tout au sala rapport na 5 minutes avec César Ngadi toujours na Catalon to zali ko pesa maman na biso Maria la beauté naturelle, Maria la beauté naturelle, merci na nyoso tout au sala rapport na 5 minutes avec César Ngadi toujours na Catalon to zali ko pesa Jano Matundu, merci na nyoso tout au sala rapport na 5 minutes avec César Ngadi toujours na Catalon to zali ko pesa José Kano ki kakamene Maître Weramukuna, Maître Rajamoule, merci Nanyo Sotou Bosala rapport à 5 minutes avec ses angatoke, Sugona Kat Espagne, place Sika, vrai chéri, Beloti Mavungu Vandaka, Beloti Mavungu, vrai chéri, merci Nanyo Sotou Bosala rapport à 5 minutes avec ses angatoke, Sugona Kati, Yalola, Kuna na Belgique, pour n'arroper sa poutou de Yalola. Poutou de Yalola, merci Nanyo Sotou au sala rapport à 5 minutes avec ses angatoke, Zongi Siko, Nakatia France, pour n'arroper sa mbote, Naba Mistratère. Il y a un groupe Nabiso, les amis de César Ngadi, tout Pessimbote, na Chai Mukenge, Chai Wabalengela, mon voisin Chai Mukenge, Chai Wabalengela, Jerry Mukuna, Babi Kisinga, Chikito Mushashino, Bazali Kosala, Pesa Moussala, Ezali Kumona, Nakati, il y a un groupe Nabiso. Donc, tout Tikali, toujours Awa, Nakati à France pour n'européer ça. Donc, Mbote, na Alain Delo, merci Nanyo Sotou, au Salarapo, na 5 minutes avec César Ngadi, Torobo Sanate, le grand réalisateur Lixon Kangi, Mathéus Lusomba. Donc merci Nanyo Sotou, au Salarapo, na 5 minutes avec César Ngadi, donc Tokosugisa, Boebikaka, Tosugisaka, na Dokotolo, Nabiso, Jean-Paul Jamba, Oto Sengara Nabino, Bolandaka, émission Naya Santé, Azo Salangopo, Nabino, Banamboka, Parlo Santé. Il y a Dogotolo Nabiso, Jean-Paul Jamba. Merci Nanyo Sotou au Salarapo. Mansa Musique et Primus présentent le concert de l'histoire. Le show de la réunification. Wenge Musica 4x4 BCBG. 25 ans après. Ils seront tous là. Le 30 juin 2022 au stade des Martyrs à Kinshasa. Venez vivre le show de l'année avec les anges adorables. Wenge Musica 4x4 BCBG. Ya Biso Wenge. Prix 5000 francs congolais. Ouverture des portes à 10h. Infoline 09 00 11 51 16. Une production Mansa Musique. On doit mettre sur le pied et nous créer dans un état de droit et une justice indépendante. Ce n'est pas pour rien qu'on fait des conflits. Oui, bon, les amis, pour un au salaire, au yu, aux amants, c'est vrai, au temps, à la canaille, au vent.